des gens qui le font. J'ai commencé un nouveau truc, c'est... J'ai vu ça sur YouTube. Ah, comme tout le monde, je me perds un peu dans les vidéos. Et en fait, apparemment, c'est bon pour la santé. Tu te réveilles à jeun, comme ça, sans manger, sans rien. Tu prends un verre d'eau, tu mets une cuillère de cidre de vinaigre de cidre de pomme, enfin un truc comme ça. Et la bloupe est en bas. Ah, je me suis trompé de compter. Un peu de sel de l'Himalaya et un demi-citron jaune. Tu bois ça à jeun et tu manges un peu après, tu vois. Et je fais ça, il paraît que c'est super bon pour éliminer les toxines, la graisse, enfin des trucs comme ça quoi. Bref, il y avait un gars là. Ouais, brûleur de... Ok. Brûleur de graisse, ouais. Détox et drainant. Il paraît que c'est super bon. Elle me dit, pour ça, faut que tu prennes justement quelques grains de sel de l'Himalaya, du citron vert et de l'eau pétillante, quoi. Donc voilà, je fais un peu de tout. On va essayer de faire un petit peu attention à ce qu'on mange. On fait du sport. Bah là, ça va être aujourd'hui, j'ai ma quatrième séance de la semaine. Donc c'est pas mal avec mon entraîneur. Donc il me booste bien. Et tout ci, tout ça, quoi. Petit à petit, on essaye de se mettre bien. C'est là, on est d'accord. Oh, le gars... Oh, il est ennuyant, lui, hein. Oh, le relou, quoi. Ah, voilà. Je suis sûr d'être lui. Tétard, là. On va aller chercher Tétard. Ah, il y a un véhicule qui arrive. Ah, peut-être qu'il va au shop. J'ai galéré un peu, hein. On dira à personne que j'ai galéré, ok. Ça reste entre nous, hein. Mais attends, mais il avait ses classes, lui. Ou quoi? Pas vraiment. Si. Mais du coup... Oh, les gars, ils avaient pas de thunes, quoi. Bon, il y a l'air d'avoir de la castagne dans le coin là-haut, on va y aller. Evan. Je pense que c'était sa caisse à l'Ivan. Hein. J'ai déjà fait le goulag, donc autant la prendre. Eh, y'a un mec qui est mort à côté là. Je sais pas ce qu'il avait en tête. Je sais pas c'est quoi son plan, mais... Ah, moi, ça va être la classe que je vais utiliser pour le World. Hein. Mag 10 K31. La juge, j'ai pas d'autoréa, donc... Ah, il y a toujours une caisse. Okay. Hmm. Dommage. Et lui, il est toujours là, ouais. Oh, le en pleine tête dans les airs, mon pote, il était mignon, celui-là. Ah, il était mignon, il était cadeau. Bon, bah écoute, on se retrouve encore une fois... rebelote. Bien joué, bah j'ai un petit peu rien fait, quoi. Ah, véhicule.
Nasty. Alors, on commence à reprendre un petit peu le snipe en main là, tu vois. C'est pas mal. Tu sais qu'il y a un gars là-haut, c'est ça qui m'intrigue. Mais non, jure, il y a un gars là-haut. Oh, bon ouais, les gars, ouais, la bonne ambiance est terminée, hein. Ouais, salut Norby. Comment ça est terminée? Non, elle ne fait que commencer, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi, mec? Je suis un petit pas peu... Pas train pour les Worlds? Bah ouais, tu le sais, hein. On a fait une petite game avec Shaw avant, là. Petit top 1 à 35 frags, pas mal. Oh! Oula, attends. Let's go, ça. Merde. Il est con. Je crois que je suis tombé dans un lobby besoin de reconnaissance ici. Des mecs les pas les plus fut de la terre, quoi. Aux petits oignons. Ouais, genre de lobby que t'aimes bien, quoi. Ouais, je vois ce genre. Oh, le mec il avait un drone amélioré. D'ailleurs, on est d'accord dans votre duo, toi tu vas être snipe PM et Obo PM AR. Ouais, d'accord. Ok, bah j'ai joué snipe AR, AR PM du coup. Dis pas retour à la base. Où est le gars, quoi. Contrat prioritaire identifié. Je finis ma game, je suis à toi, mon petit Norbin. Ouais, t'inquiète, prends ton temps. Je suis sur le toit du monde, là. Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Y'a un autre gars. J'ai du temps. Ah putain, y'avait un autre cafard dans le coin. Shit. Encore un gars. Ça, on le sait. Je pense pas que le mec que j'ai buté l'a tué. Gaz en approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. J'aurais pas le kill, mais bon. Ça fait un joli coup de main quand même. C'est une jolie tête. C'est sûr, c'était lui tout à l'heure. On n'a pas de chope là. Ça, c'est chiant. Arrive, on va avoir une nouvelle zone de sécurité.
C'est chelou, hein. Genre, y'a personne là, ça me... J'y crois pas. Demande de reconnaissance de la zone. Un drone arrive sur zone. Un drone reconnaissance arrive sur en zone. Approche. Reçu. Ah ouais, d'accord. Entre dans la zone de... Le gaz est à proximité. Vous faites partie des 10 derniers. La cible est marquée. Pulvérisez-moi ça. Piloteur de zéro, bien reçu. Frappe à dispersion envoyée. Piloteur de zéro, bien reçu. Frappe à dispersion envoyée. Attention, le drone n'a plus de carburant. Attention, le drone n'a plus de carburant. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Il y a fantôme, hein. Attends, mais il a un triple masque en or, lui, c'est pas possible. Le gaz est à proximité. Chinga ton madre pour la espalda. C'est mec. Putain. En fait, il y a un mec qui me met à terre. Et je le craque. Ouais. Et donc je m'auto-réa, il vient pour me finir, il se prend une balle de snipe. Et donc du coup, j'ai le temps de m'auto-réa et je le finis. Et après, je m'avance pour sortir de la zone parce qu'on était dans la zone en plus. Et là, il y a un mec qui est dans un hangar et qui attendait quoi. Ah merde. Ça aurait pu être un très bon timing, un très go. Enfin, un gros coup de chat monumental pour toi, mais au final. Ah, dommage. Un peu filou. Ouais, bah le mec il a, c'est son cinquième kill quoi. Bravo Stéphane.